Un représentant chinois s'exprimant via un lien vidéo a parlé de l'expérience de la Chine qu'avec des mesures scientifiques et appropriées, dont une campagne de vaccination massive qui a maintenant administré plus de 500 millions de doses en Chine, il est possible de maîtriser la pandémie. Il a déclaré que la chose la plus importante à ce stade pour le monde est d'augmenter l'approvisionnement en vaccins, en particulier pour les pays en développement. Nous savons que le virus ne connaît pas de frontières et nous proposons plusieurs choses maintenant. D'une part, nous devons nous en tenir au multilatéralisme et à la confiance dans la science. Et nous devons être fermement contre la politisation et la stigmatisation des pays. Deuxièmement, nous devons garantir un approvisionnement équitable pour le bien des populations, incluant l'approvisionnement en vaccins et médicaments. L'appel était en phase avec ce que le président chinois Xi Jinping a déclaré la semaine dernière lors du sommet du G20 sur la santé, où il a promis davantage d'aide financière pour la lutte mondiale contre la pandémie et d'offrir autant de vaccins à la communauté internationale que la Chine pourrait en gérer.